et cet horizon noir, un peu trop près des cieux. Ce pays mystérieux, perdu dans le brouillard. Ce vent qui souffle dans le dos, que glace les eaux. Moi j'étais bien au chaud, au fond de mon berceau. J'avais peu à donner, et beaucoup trop à prendre. Le ciel à contempler, et aucun compte à rendre. Aucun compte à rendre. C'est quand la fleur se fane que la vraie vie commence. C'est quand le rêve s'achève que la nuit fait son lit. On parle de conscience pour choisir son chemin. Ce ne sont que les moyens de pleurer en silence, privé de son enfance pour excès d'innocence. Un certain vient me prendre la main. Comme on suit une étoile, qui serait la seule chance d'un navire sans ses voiles. Et l'on suit le bon sens, telle une corne d'abondance, qui nous donnerait encore et toujours l'insouciance de marcher en cadence sur des voies bien tracées, en étouffant nos rêves pour un confort acidulé. Acidulé. Et le monde qu'on nous fait est toujours plus flippant. Et la jungle dehors, on dirait qu'elle m'attend. Et la vie dont je rêve s'inspire-t-elle assez de la vie que j'aurai pour ne pas trop pleurer? La vie que j'aurai s'inspire-t-elle assez de la vie dont je rêve, la vie dont j'ai rêvé, 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 la vie dont j'ai rêvé. Écraser le bon sens pour jeter l'uniforme qui n'avait pas la forme de mon passage de rang. Courir à cœur ouvert, embrasser l'univers, faire d'un bouquet de nerfs la voix qui gronde au fond de l'enfer. Vibrer ce monde, faire lever le poing, réveiller la fronde qui dort en chacun. Réchauffer les cœurs froids, chaque jour cracher ma foi comme au premier matin.
sa vie comme une mélodie qui viendrait se taire quand on veut qu'elle crie. Attrape-t-on sa vie comme une maladie? Nanana. Sans vaccin ni sursis, choisit-on sa vie comme ses ennemis? Ce qu'on veut combattre et puis ce qu'on fuit. Choisit-on le destin et tous ces chemins qui filent droit au fond d'une forêt d'incertains? Attrape-t-on la vie les bras grands ouverts pour mieux l'emporter là où on préfère? Écrit-on sa vie comme un livre ouvert au fil des pensées et des rêves qu'on sert?